m'a demandé de faire une petite démo, mais finalement, je pense que c'est mieux qu'on fasse ça sous forme de ce qu'on appelle en anglais une Kleenex. Donc, vous allez rentrer chez vous ce soir en espérant que vous ayez appris quelque chose. Ouais. Plutôt que de faire des points de fantaisie que vous avez sûrement déjà vus par d'autres joueurs, on va faire des trucs, je vais expliquer des trucs, en espérant que vous appreniez quelque chose. Et je vais prendre des volontaires aussi dans la salle. Il y a des conditions pour être volontaire. Moins de 4 verres de vin aujourd'hui. Ah. Moi, je suis pas facile. Et un 500 général ou 3 bancs. Faites un pas en avant. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'on joue une répétition de bande. D'accord ? C'est un point plus ou moins de fantaisie, mais qui va vous servir, et je vous ai expliqué dans plusieurs cas, ça va vous sortir de situations tout à fait difficiles. Donc, la répétition de bande. Répétition, la jaune, petite bande, grande bande. Pour répéter une bille qui est contre la bande, on attaque plein, moins 1 mm du côté de la bande. Donc c'est presque plein, mais du côté de la bande, d'accord? On donne une bonne impulsion, on joue en haut, on met de l'effet, il ne faut pas plus réfléchir que ça. La répétition, elle est relativement facile. Donc si je ne la fais pas, j'aurai l'air d'un con. Voilà. Donc ça, c'est la répétition. Faire le point, c'est le deuxième point que je vais expliquer. Donc, ça te sert à... La roue, j'ai mal placé, c'est ça. Bon, non, merci. C'est le seul qui peut participer à un 500. Hein. Oui. Et à moins de 4 heures. Donc, vous avez vu, c'est pas nécessaire de jouer très très fort, une bonne impulsion, un peu... C'est pas nécessaire de mettre maximum d'effet. L'effet va se prendre automatiquement. Donc, on va essayer de faire le point cette fois-ci. Ah, voilà. D'accord ? Magique. Bravo ! Magique ! Oh, magique. Oh, magique. Oh, magique. Oh, tu fais comme le magicien cet après-midi. Ouais, ouais. Il a dit que mieux que ça, quand même. Ouais, non. Alors, c'était le coup facile. Hein, le coup facile. Maintenant, on va changer un peu la position. Donc, la rouge n'est plus là, elle est ici. Automatiquement, si je mets des faits, une, deux, ouais, trois, elle va partir. Mm-hmm. D'accord ? C'est la même chose, j'ai changé un tout petit peu l'angle, sinon ça n'irait pas. Je mets la bille ici. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais jouer la répétition sans effet. Sans effet. Intégralement sans effet. L'intégralement sans effet, c'est au centre de bille, ni à gauche ni à droite. C'est important d'être précis. Donc, un petit peu en haut, sans effet. D'accord? Bravo. Ah, c'est facile. Concentrez-vous parce que les volontaires viendront après. Confirmé. Toujours la même chose, quantité de billes plein, moins un tout petit peu du côté de la bande. Maintenant, je change un tout petit peu la position, c'est la même chose. Voilà. Et je vais faire couler répétition de bande renversée. D'accord ? L'effet du côté de la bande, mais pour renverser, ça va être... Toi, mon trèfle, t'es quand même vachement intelligent. Mais moi, je mets pas de... Voilà, d'accord ? Bravo. Merci. Alors, vous pouvez applaudir. C'est le moment que... C'est le moment où vous rigolerez un peu moins, parce que maintenant, j'attends les volontaires. Voilà. Vas-y, Richard. Ah non, vas-y, j'ai pas... Tiens, je vais te tenir. Mais pourquoi moi ? Un billet de 20 euros ? D'abord ? Oui. Il y a deux billets de 10. C'est bon. Il y a deux billets. Est-ce que t'as un bon cuve, Richard ? Oui, t'as raison. La cuve vaut 2000 euros, alors. Voilà, alors, laisse-moi. Non, là, c'est sans effet. Non, là, c'est avec de l'effet. Ah, ça mange bien. Beaucoup. C'est la première. C'est la première. C'est la première. Figure 58, Richard. Plein. 1 mm par là. D'accord. Et je m'enlève parce que je ne sais pas. Là, c'est sans effet. Absolument sans effet. Plein. Ah oui, attends. 1 mm par là. Pas l'effet, hein. Non, non, il y a des faits là. Il y a des faits. Ah bon ? Sans effet. Un petit peu par là, sans effet. Voilà. C'est pas mal. Il n'y a pas d'effet là. Non, il n'y a pas d'effet. Je pense que ça va pas mis un petit peu de temps. Et là, renversé. Renversé. Ça, ça va te plaire, Richard. Un petit peu par là, beaucoup d'effets. Ben, c'est bien ça. Oh là là. Oh là là.
Richard, tu finiras par faire l'artistique. Peut-être qu'un jour tu finiras à jouer l'artistique. Ouais, ouais, c'est possible. Donc, quand je vous ai dit que ça peut servir à vous sortir de situations délicates, ça va être du sans effet. Je vais la mettre ici, ça je mettrai un peu d'effet, d'accord. Ça, mais voilà un point quand même très difficile. Quand on connaît le coup, plein de billes, un petit peu à droite, effet à gauche, on répète et ça devrait aller tout seul. Voilà. Ça devrait, hein, parce que... Perfect. Alors, le truc. Ah oui, il y a un truc. Ça, c'est sûr, il y a un truc. C'est comme un magicien, il y a un truc. Au plus il y a ta distance entre la 1 et la 2, au moins ça ne sert à rien de jouer fort. Parce qu'avec la distance et le roulement, ça va prendre la répétition automatiquement, ça va prendre les... Donc, je vais jouer, essayer de jouer très, très lentement, pas très lentement, mais relativement doux pour vous montrer que la répétition, elle est vraiment facile à obtenir. J'ai pas touché la bille, hein, j'ai juste laissé la bille rouler. Ouais, ouais. Ouais. D'accord. Ah, volontaire. Le président. Non, si, si, si. Je vais mettre la place. Vas-y, toi. Vas-y, Patrice. Non. Vas-y, Patrice. Pourquoi? Non, vas-y. Ah, ouais, pour envoyer deux autres au casse-pipe, t'es là? Francis, j'ai pas touché une queue de bière depuis deux mois. On va aller long. Allez, Joël. Allez, exceptionnellement. J'ai pas de mécanique. Vous pouvez négocier, quand ça sera plus difficile, tout viendra. Ça va, on sait. Allez, bonjour, Jérôme. C'est le bon sac qui frappe pas, ça pousse. Même pas trop d'effet, ça n'a rien. Au prochain point, c'est Pierre Motret. Voilà un point qui paraît très difficile et c'est la même chose. Couler la jambe, renverser. Répétition de bande juste au point, sans forcer. C'est ce que je jouais de toute façon. Moi, je vais jouer pareil. On vient prendre, là. Mais l'air mélangeant, ce qu'il m'a vu faire, quand même. J'ai arrangé le même. Je mets d'autres tricots pour bien. Allez, volontaire. J'ai nommé un volontaire, ça va. Et là, tu mets un maximum d'effet. Ah oui. Non. 3 ou 4 balles. Comme ça, beaucoup de billes. Ah non, faut choisir. Hein. Il faut annoncer avant. Sinon, c'est un coup de chance. Un coup de chance. Je tente. Je tente. 2, 3. Camoulox. Et qu'au-dessus de 4 verres de vin, on n'avait pas le droit. Il y en a vu que 3, mais c'est pas. C'est une chope. Quel talent, bravo. 1,499 le général. Bon, vous vous rendez compte que vu la distance, il n'y a pas d'effort à faire, d'accord? Maintenant, il y a aussi le... C'est le même principe, un point qui est très connu, c'est le renversé sur la petite bande. C'est la même chose. Il ne faut pas forcer. Au plus il y a de distance, ça ne sert à rien de jouer fort, ça va prendre la courbe automatiquement. Donc je mets beaucoup d'effets, j'attaque beaucoup de bruit, je ne réfléchis pas quand je bloque la porte.
J'ai pas forcé, hein. J'ai pas touché la pierre. Ma volonté. Vraiment, j'ai pareil. J'ai plus de 4 heures. Allez, Mika. Allez, Mika. Allez, Mika. Et alors... 0,300 en fin de carrière. Il l'a fait, il l'a fait. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Il l'a fait. Alors, un beau point aussi, suivant le même principe, en fait. J'attaque la blanche, touche la bande ici. Joue en haut, mais ici il faut jouer un peu plus fort évidemment. Elle s'écarte, elle repart 2 et 3. Seul danger c'est que la bille saute là-bas, attention parce que. Je suis prêt à rattraper, t'inquiète. On va pas trouver un score, on va pas trouver un score. Oh l'autre. Là, il faut lui mettre un peu de... Faut mettre un peu de gibola. Non, mais faut bouger. Allez, Mika. Allez, Mika. Allez, Mika. Un point pour toi, Mika. Daniel, essayez celui-là. Combien? Ah voilà. Pas mal, pas mal. Qu'est-ce qui manquait là après? Un peu de force, un peu plus de. Il y a un peu plus de vitesse au point pour tourner, sinon ça allonge. Alors, même principe, c'est un peu artistique à mon avis, je sais pas. Le 25. Le 25, voilà, mais il est ici ou je sais pas. Oui, peu importe, peu importe. Peu importe. De toute façon, c'est moi donc je peux. La jaune, il n'y a pas de souci. C'est le même principe, hein. La jaune, un peu de ce côté-là, ta bande, plus fort pour qu'elle s'écarte et puis qu'elle repète son effet vers l'avant. Une, deux, trois. À volonté. Richard. Richard. Ah, là, chez moi, là, chez moi. Pierre, votre F. Ouais, aussi. Il va y avoir du boulot là. Mais il faut aussi. Si je l'ai fait tous de premier essai, vous allez dire. Ah, bah oui, vous allez dire, c'est facile. Ah, ouais. Oui, c'est ça, tout. Non, deux mois. Il est plus délicat qu'il n'y paraît. Mais là, tu prends quand même moins de billes alors, Frédéric. Un peu moins de billes. Un peu moins de billes. Mais j'en ai pris trop. Alors, vous savez qu'à l'artistique, c'est 3 essais, donc même moi, j'en. 4, 5, 6. Ouais, mais à Blois, c'est 8. À Blois, c'est tant que tu veux. À la maison, c'était plus facile. Ouais, c'est bien, bravo. Très bien, c'est déjà beau. Et autrement, tu joues en bricole ou tu joues comme ça? Bien sûr. Bien sûr que je le joue comme ça. On va passer à autre chose, d'accord? Ma spécialité, le coup banane. Salut Willy. Il y a quelques petits trucs pour les coups bananes qui sont intéressants. Donc normalement ça rentre pas, on voit que ça rentre pas, donc voilà, on a même un peu plus par là. Alors le truc du coup banane, ça ne sert à rien de mettre maximum d'effet, au contraire. Pourquoi? Ça court de moins. Pourquoi? Parce que tu peux pas attaquer. Parce que si on va sans effet, on sait aller plus bas que si on met d'effet. Eh ben. Donc l'effet ça sert quasiment à rien. Donc qu'est-ce qu'on fait sans effet? Un quart de procédé d'effet à droite. Alors moi j'ai un procédé de 12, donc ça fait 3 mm, ça va. Quand on a 11,67, c'est plus difficile à calculer. Je vais préparer toute la semaine. Bon, alors, maximum d'effet, pas nécessaire. Un peu d'effet à droite, un tout petit peu. Alors, on cherche la ligne. On rigole bien. Si je viens ici, c'est pas possible. Déjà, ça va courber trop tôt. Donc, je cherche un point là-bas, ici, par exemple. Et je vise pour aller là-bas. Et après, la bande,
je fais une coupe avec beaucoup de rétro. Ça ne sert à rien de jouer très fort. On met beaucoup d'effets, beaucoup de rétro. Beaucoup de rétro, presque pas d'effets. Ça ne sert à rien de jouer fort. Hein, non, ouais. Ma volonté, t'es fait la semaine. L'anniversaire de Joël tout à l'heure. C'est vert, ça vient. Ouais, mais demain, on change le tapis demain. On a du stock, là. Te casse pas, vas-y. Mets tout dedans. Alors, tu m'as dû prendre du bain. Combien d'air de vanne? Un peu d'échec à ça, quand même. Un tout petit peu, là. Un quart, hein. Ah, c'est pas mal, hein? Je vais manger une cuillère de mie, j'ai pas de la casser quand même. C'est pas mon bon. La main reste sur le au bout de 6 mois, tu vas aller. Écoute, commentaire sur. Un peu derrière, ça ira peut-être plus facile. Ouais. Un peu plus. Bon, un autre volontaire ou pas? Allez, j'arrive. C'est le maillon. Ça pas bleu? Parce que là, j'ai le bleu, j'ai le bleu. Faites la vidéo, les gars, parce que là, il faut qu'on ait ça. Ah oui, t'inquiète pas. Ah bah oui. Le film. Il y a une belle chemise, ouais. Oui. T'es cru où, là? Donne le coup, mon Dieu, putain! On voit la zone, là! On voit la purée! Non, mais il s'est bien habillé, c'était pas pour billard! Laisse derrière! Voilà, oui, ok! Il est en tenue de soirée, pas de billard! Attendez! Il y a quelque chose! Allez, Eric! Mais j'ai pas de bon, je ringole, j'essaie de rester. Une petite bricole bien amusante, c'est le même principe, courbe banane. Bricole dans la bande ici, courbe et les trois bandes dans la dernière. Oui. C'est là, oui. On verra. Pour avoir plus de rétro, moi je lève toujours un petit peu, c'est comme faire un petit peu de massé, donc un tout petit peu plus comme ça. Hein. Trop banal. C'était un régime. La sacreuse est mal réglée. Il y avait le régime entier. Donc alors l'effet n'est quasiment jamais nécessaire sur une banane. Ouais, d'accord, bien vu. C'est important. Donc c'est pareil, comme on vient d'entendre, c'est pareil, c'est la même chose. Qu'est-ce que je fais là-dessus? Je cherche mon point là-bas sur la bande. Si je viens ici, c'est impossible déjà. Il n'y a pas d'entrée. Donc je dois aller au moins à la mouche ici. Et même un peu plus. Je ne mets pas d'effet, ça ne sert à rien de mettre de l'effet. Parce qu'en plus, ça tourne. Donc je cherche mon point un petit peu en 2,5, 2,40. Soyons précis. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois encore aller plus loin. Si on joue fort, ça tourne trop tard. Donc elle va toucher la bande et elle va toucher, ça va trop vite. Il ne faut pas jouer trop fort. Mais il faut garder le rétro pour après avoir touché la bande, qu'il y a encore un peu de réaction dans la bande. Et ici, je vais lui mettre un tout petit peu d'effet contraire pour éviter qu'elle tourne pas. Un quart de procédé de fait. Ah bah oui.
Alors même chose, disons que je suis un peu j'ai bu trop de vin aujourd'hui et je vois pas qu'il y a un 5 bandes sur la planche et je vais jouer la rouge. Même chose. À gauche, F à droite, rétro, double tour. C'est la même chose, c'est un coup banal. D'accord. Ah oui. Y a pas de contre. Non. Personne n'a rien vu. Hop, ça tourne. Ah, ça. En fait, il faut la mettre comme ça et envoyer la rouge ici pour éviter. C'est facile. Maximum d'effet. Alors, pour les joueurs de jeux de série, c'est un bon point de rappel, ça, parce que la jaune va faire 1, 2, 3 et venir ici. Eric, c'est pour toi. Ouais, c'est pour jouer l'américaine après. Ah oui. Voilà, américaine. Ça, c'est un peu plus difficile. C'est aussi une banane. Oui, c'est difficile. Maintenant, c'est une banane. C'est faire une courbe et faire le point. Bon, encore, c'est le même principe. On tire bien, on voit que ça rentre pas. Elle n'y va pas. Hein. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le même principe. Il ne faut pas que je touche la bande ici ou que je la touche ici. Ici, rétro, courbe et... Même principe, un quart de procédé d'effet à gauche. Donc, il faut prendre un peu de billes pour venir ici. Hein. C'est pas fin. Non. Oh, deux trous. Oui. Trop de qualité. C'est comme tu redresses. À volonté. Va, mon fils. À volonté pour celui-ci. Voilà. Non, c'est bon, j'ai fait moi déjà. Non. C'est quoi ça? Qui a pas fait? Surprise. Ah, celui-là. Ouais, il n'y a pas de coup de queue. Il a acheté un bras pour Noël. En plus, il a l'œil. Fait concret. Voilà. Beaucoup de rétro. Hein. Plus bas. Ah, c'est intérieur en 4 dents. C'est bien parce qu'il y a eu la courbe. Ouais. Donc, ça sert à rien de jouer fort, c'est de donner beaucoup de rétro. D'ailleurs, on peut la mettre ici. Voilà. Plus facile. Un peu moins de billes maintenant, c'est plus mal. Voilà. Bien. Ouais. 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 Alors, un autre point, une autre famille de points. J'avais fait 14 litres. 14 litres de plus.
un point super difficile, évidemment. Hein. Il n'y a pas de bricole et rien du tout. Alors, bande avant, avec un peu d'effet contraire, un peu en dessous du centre. Une, deux, trois, et le point là-bas. Ah oui. C'est pas difficile du tout. Faut être très malin. Il faut être malin, mais il faut pas jouer. Ça sert à rien de jouer fort. Et ça sert à rien de faire beaucoup de rétro. Parce qu'avec l'effet contraire, automatiquement, ça va. Il faut le voir, quoi. Donc juste un peu au-dessus du centre, un peu d'effet contraire et comme une comme un petit bord d'avant. Comme une lettre à la poche. Celle-là devrait pas être là. Enfin, on va le mettre ici comme ça. C'est quoi la grosseur? C'est comme le bord d'avant avec un bon effet. Ça, ouais. Bord de la bille. Ah pardon. Ah c'est bas. Ah oui, il est facile. Un peu plus de billes. D'accord. Ah, oh, je reviendrai après. Il faut faire ça comme ça. Parce que quand on ne fait pas du premier essai, après ça dure et ça dure. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ah, voilà un autre point, c'est le même point en fait. Hein. Donc, chaque fois je passe par là, donc je mets la bouche, là c'est plus facile. Maintenant je peux mettre un peu plus d'effet contraire. Donc un peu plus bas, un peu plus d'effet contraire, un peu plus fort. Et normalement, ça devrait y aller. Ah, j'en ai mis trop d'ailleurs. Elle était là. Alors, oui, oui. Il faut faire un mélange des deux. En fait, il faut deux rouges. Il faut une rouge là et une rouge. Ah, on va commencer par celui d'après. On va le mettre plus facile comme ça pour commencer. Donc ça c'est la même chose, parfois il n'y a pas le 5 bandes pour le contre et rien par là, donc c'est la même chose, je vais jouer bande avant, un peu en dessous avec effet contraire. Il y a déjà deux bandes ici, hein, donc oui. Avec une troisième. Oui. Oui, c'est ça. Et comme il y a de l'effet contraire, là-bas il n'y a pas l'effet contraire, automatiquement. Bravo. Bravo. À volonté. Il n'y a plus de volonté. Plus ça va, moyen. Hein. Et ça, c'était pas le plus difficile. Hein. Samir. Samir. Ah, oui, sûr, voilà. Un peu de contraire. Plus de billes. Plus de billes, plus de billes. Voilà. C'est automatique. Voilà. Ça, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et là, il y a déjà deux mois. Un peu plus de billes. Moins bas. Voilà. Voilà, un peu plus fort. Regarde, regarde. Oui, Samir. Ah, c'est moi qui m'en ai. Ça, c'est la queue de billard. Il faut persévérer dans la vie. On l'encourage. Allez, mais l'effet contraire, attention, ça redresse énormément. D'accord. On y reviendra. C'est un volontaire pour l'essayer. Je vais vous raconter une petite histoire, vite fait, bien fait, et très important pour gagner un match. Il n'y a pas que les conseils techniques qui sont importants, c'est le mental aussi. D'ailleurs, ça vient de mon ami Francis, que je connais déjà depuis 40 ans. Et il m'a toujours dit, pour gagner un match, il faut commencer la partie à fond. Quand on arrive au milieu, on accélère. Et à la fin, on sprint. Merci Francis. Un peu moins sérieux maintenant.
ce qu'on vous apprend en général, c'est qu'il ne faut jamais trop tenir compte de tout ce qu'on vous dit, parce que... Oui, mais dans les clubs, enfin, avec tout le respect que je dois à tout le monde, parce que je ne vise personne en particulier, ceux qui commencent à jouer au billard, les gens qui leur apprennent en général ne savent pas, ne connaissent pas très bien le jeu. On les apprend mal, on leur dit qu'il faut faire ça, alors que ce n'est pas vrai. Alors moi, par exemple, ce coup, on m'a toujours dit qu'il fallait jouer 1, 2, 3, 4. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai parce que, pourquoi? Parce qu'il y a un trou énorme ici, déjà, premièrement. Deuxièmement, cette bille, là, elle vient par là, il y a un contre ici. Il y a un contre ici, il y a un contre sur ma bille ici. Donc c'est pas le coup à jouer. Il l'a fait jouer tout à l'heure à Richard. Richard, il s'est joué, donc lui, c'est comment? Et pourtant, tu lui as fait jouer à Richard. Non, moi, si je fais ça, moi... Là, tout ce qui peut arriver là-bas, tout ce qui peut arriver là-bas, tout ça. Ah ouais, d'accord. Chat, si tu l'as. Et après, tu dis. Ah, voilà, ah, voilà, j'ai pas de chance. Voilà. Pas de chance. Pas de chance. Ouais. En fait, non, c'est pas de la malchance. C'est le mauvais choix. On est d'accord. On va jouer ça en rétro. Ça donne un. Le chemin le plus court. C'est la ligne droite. Alors, c'est quel numéro parce qu'il est... 52, je crois. 52. Ouais, c'est le 52. Ça. Alors, artistique, on va faire confirmé. Répétition. Confirmé. Ouais. Répétition bande, moi, c'est pas nécessaire. Ben oui. Puisque là, moi, je suis un joueur de 3 bandes. Ouais, bien sûr. Alors, en théorie, je suis même un joueur de série, donc je pourrais faire 2 bandes. Rétro, la jaune, la bande. Essayez de faire répétition. 2, 3, 4. Et si ça répète pas, ça fait 2, 3. Donc, on s'en fout. Ça souvent, ça fout les mains. On aura 3. Oui, mais nous, on s'en fout. On s'en fout. Exactement. Il ne faut pas jouer fort. Hein. Et y a... Bravo. Il n'y a pas de compte. Il n'y a pas de compte. Magnifique. Alors. C'est évident. Un coup très difficile. Il y a le fidèle qui est là encore. Il y a le croisé, ça va. Ici, ça tourne, donc ça vient trop long. Bon, d'abord, ça vient trop long, donc... Il y a un joueur chez nous en Belgique qui s'appelle Martin Spoormans. Oui, toujours des boss. Alors, si je veux jouer fin à la jaune par là, je sais qu'il y a un contre. Martin, lui, il s'en fout. Il joue avec le contre. Donc, en fait, ce point-là, au lieu d'essayer de jouer fin, je prends un peu de bille. Ah ouais. Ah, j'ai mal mis la rouge, c'est la rouge que j'ai. Tu joues avec le con, tu vois, donc tu joues avec. Quand on veut pas l'éviter, on joue avec. Ah, encore un joli point. Ah, encore mon ami Francis qui me lance. Ah, c'est vrai. Ouais, ouais, ben. Il est gâté, Francis. Ouais, attention, hein, on apprend. C'est normal, t'es beaucoup plus jeune que lui. Alors, les joueurs de jeux de série vont rigoler avec ce coup. Oui. Piqué, répétition de la bande, d'accord, hein, tout le monde connaît. Oui. Alors, le joueur de jeux de série, il rigole avec Seigneur. C'est vraiment, c'est pour rigoler. Hein. Le truc, ça ne sert à rien de jouer en retrait. Pourquoi, encore une fois? Plus on joue sur le côté, plus il y a d'effets, plus ça répète. Si je veux faire 3 bandes, je ne vais pas jouer en arrière, je vais jouer sur le côté. Faites de la clé, sinon... Donc, au lieu de jouer vers l'arrière, je joue un peu vers l'avant, avec maximum d'effet. Il y en a 3, hein. Déjà. Confirmé. Si je ne veux en faire que 2, je joue un peu vers l'arrière. D'accord. Je mets un peu d'effet, donc la bille est près de la bande, voilà. Donc au lieu de jouer là, je joue un peu vers l'arrière. Pour les joueurs de jeux de série qui savent masser, c'est de la rigolade. Hein, pas convaincu. Alors, c'est là qu'intervient mon ami Francis. J'ai vu jouer Francis un coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible. Alors, le même. Mais au lieu de l'avoir la bille ici, elle est ici. Et je me dis, mais c'est pas possible de répéter. Et en fait, c'est la même chose, c'est de la rigolade. Enfin, c'est Francis qui l'a fait. Je dis, Francis, il ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Et il a fait ça comme si c'était un jeu de libre, de points à la libre. Donc c'est la même chose, il ne faut pas jouer trop en arrière, beaucoup d'effets. Voilà, et c'est pas très difficile. Merci Francis. Merci Francis. Alors, autre chose aussi très amusant. Un piqué bande avant. Là, répéter la bande, maintenant c'est difficile parce qu'elle est loin de la bande, donc ça va pas répéter facilement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bande avant, jaune, petite bande, grande bande.
Alors, le truc, c'est de mettre... Blablabla. Je rebobine. Le but, c'est de mettre de l'effet dans la direction où on veut que l'habit aille. Donc, une, et je veux qu'elle aille par là. Donc, je mets l'effet par là. Je mets l'effet de ce côté-là de l'habit. Et encore une fois... D'accord. Rebleu. J'étais saboté. Une bonne impulsion, pas très fort. Voilà. Oh putain. D'accord. C'est tellement simple. Quelle heure est-il, Joël? Parce que j'y joue. Je te vois, mais... Il reste encore 50% de budget. Un petit conseil, aussi intéressant. Évidemment, on sait qu'on va, que là-dessus, on va croiser la jambe, mais peu importe, c'est pour l'exemple. Si je veux faire un peu rétro, une, deux, trois, tout le monde va me dire, mais il y a contre. Hein, la jambe revient, il y a contre. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter le contre? On lève un peu la queue derrière. Ça freine un peu la 2, ça accélère à 1. Ça accélère la note, donc la note, pas moins. En effet. Donc, au lieu de jouer comme ça, je joue comme ça, voilà. Et je donne une bonne impulsion, c'est pour faire un peu plus fort. D'accord. Et ça va bien. Il ne faut pas lui faire. Hein. Voilà. Pas de problème. Pas de boss. Alors, c'est un petit conseil aussi pour si vous avez champion du monde pour faire un rétro. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir beaucoup de rétro? On lève un peu derrière. Il ne faut pas lever comme un malade, mais on lève un peu, quoi. Suffisamment pour qu'il y ait une bonne impulsion. Donc au lieu de faire ça, on lève un tout petit peu. Et ça revient tout seul. Alors un petit rétro renversé. Alors quand je vous dis qu'il faut jamais trop forcer, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas forcer les coups? Parce que quand on force, on a tendance à faire ça, à faire ça, à faire ça, à faire ça. Donc ça sert à rien. Donner une bonne impulsion, toucher la bille 1 au bon endroit, et c'est tout, quoi. Voilà. Donc, encore une fois, je lève un tout petit peu, plus facile. Il y a beaucoup trop de rétro derrière, hein. Trop de rétro, hein. Donc, j'ai pas joué fort, hein. Ouais. Je joue pas fort, hein. C'est pas grave. Alors, encore une fois, un petit rétro. Ça sert à rien de jouer très fort. En fait, j'ai joué pour arriver jusque-là, mais quand même qu'elle arrive quand même juste au point, là. Hein. Elle arrive jusqu'ici. Mm-hmm. Alors, voilà. T'aurais dû la mettre d'abord, là. 10 points que t'as déjà fait, hein. Tu joues le rétro, une, deux, là, tu vas chercher la 3, et tu vas aller. Mais la 3, je sais pas si elle est bonne. Pour la vitesse, ça sert à rien de jouer très fort. Hein. Ah, mais ils ont mis la jambe n'importe où. Voilà. C'était un piège. Oui, non, mais je veux dire.
Un peu plus dur, un peu plus dur. Quoi déjà? Est-ce que c'était pas dur dès le départ? Non, non, on arrête. Petit rétro renversé, rétro la jambe, 1, 2, 3. Petit rétro renversé, 1, 2, 3. Oui, oui. Il faut jouer avec le père. À Blois. Merci Étienne. Je crois qu'un rouge revient par ici. Pas plus de deux essais, sinon on se fatigue. Je voudrais poser une question pour faire des très longs rétros comme ça. Si je raisonne par l'absurde, si je prends une canne de 300 grammes, je vais faire un rétro fantastique. Non, c'est pas de réponse. Peut-être que si. Peut-être. Ah, t'as pas dit non, hein? T'as pas dit non, hein? Peut-être. C'est la question. Hein. Alors, ce que je veux dire. Dernier point, parce que celui-là, je vais mettre peut-être 10, 15, 20 essais, parce que bon. Oui. Hein. La jaune, bande avant, rouge, rétro, 1, 2, 3, bon. Ah oui, d'accord. Voilà, d'accord. Bon avant, rouge, rétro, bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Et je dis que ça prend du temps parce qu'il faut toucher la 2 déjà. Il va toucher à gauche et faire du rétro et pas passer dans le trou, pas avoir de contre. Oh, ouais. C'est le bordel ça. Oui, en effet. Parfois, je la touche. D'accord. 1, on va compter. Hein. Mais ça devrait aller parce que je joue à 20. Mais non. Si vous êtes patient, il y a une chance que. Allez. Ah oui. Oui. Exceptionnel parce que je joue depuis 30 ans, celui-là je ne l'ai jamais fait. Alors, pour terminer, d'abord un petit mot, merci Joël pour nous avoir tous invités ici. Merci Joël. Merci Joël. Pour nous avoir invités déjà et pour tout ce que tu as déjà fait pour le billard dans ta vie. Et tout ce que tu vas encore faire. Et merci à tous, en tout cas. Merci. À merci. Très très bon.